Mes 7 secrets pour rester motivé pendant un rééquilibrage alimentaire. 1. Fixez-vous des objectifs réalisables. Il est important de se fixer des objectifs atteignables pour se donner une direction et surtout une motivation. En 2. Trouvez un soutien. Partagez vos objectifs et vos résultats avec vos amis ou des membres de votre famille pour obtenir un soutien et des accompagnements. 3. Faites des ajustements. Si vous rencontrez des difficultés, faites des ajustements à votre plan alimentaire ou à votre programme de sport. 4. Célébrez vos réussites, même les plus petites, pour vous donner une motivation supplémentaire. 5. Soyez indulgent. Il est normal de se laisser tenter de temps en temps. 6. Gardez l'objectif final en tête. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé et les bénéfices pour votre santé sur le long terme. 7. Trouvez une activité physique qui vous plaît. L'exercice est important pour la perte de poids, mais il doit être plaisant et efficace. Si tu es une maman qui veut perdre du poids sans salle de sport et sans régime, on a créé un groupe privé avec ma femme. Tu as le lien directement dans la description, dans les commentaires ou sur mon profil. Je te dis à tout de suite.